retour avec vous en ce lundi début de semaine 8 janvier 2024 10h26 heure du québec avec deux informations qui vont vous vont vous placer sur le, le bout de votre siège ok le bout de votre siège et on sait c'est juste une question de temps avant que ça dégénère le complexe militaro industriel ça fait longtemps qu'ils ont ça dans leur sac à dos dans leur agenda c'est une guerre totale avec l'Iran probablement. Et là on apprend que, puis on, on le voyait, je vous en ai parlé hier, qu'il y avait des opérations probablement qui étaient en train de se préparer euh, dans un affrontement avec le Hezbollah au Liban. Ben, on le sait que le Liban est un pays complètement déstabilisé depuis euh, un bon bout de temps. Et là on apprend qu'il y a eu des frappes euh, qui ont eu lieu aujourd'hui et qui ont tué un des euh, commandants du Hezbollah. Selon des sources libanaises, c'est Reuters qui nous apprend ça, une frappe israélienne a tué aujourd'hui un commandant de la force d'élite Radouane du Hezbollah dans le sud du Liban, ont déclaré à Reuters des sources de sécurité proches des opérations du groupe au Liban, dans l'une des attaques les plus médiatisées contre ses officiers supérieurs en trois mois, hostilité avec Israël. Plus de 130 combattants du Hezbollah, dont des membres de la force Radouane, ont été tués dans les hostilités à la frontière israélo-libanaise depuis que le Hamas a attaqué, euh, naturellement, Israël euh, depuis Gaza le 7 octobre, déclenchant un conflit qui s'est propagé dans toute la région. Wissam al-Tawil, chef adjoint d'une unité de Radouane et un autre combattant du Hezbollah ont été tués lors, lorsque le, le, la voiture dans laquelle ils se trouvaient a été heurtée dans le village de Majdaz Selm, à environ 6 km de la frontière selon trois sources sécurisées euh, qu'on pourrait qualifier de sécuritaires au Liban. Il n'y a eu aucun commentaire immédiat de la part d'Israël. Tawil était jusqu'à présent l'un des plus hauts commandants du Hezbollah tué dans les hostilités selon une autre source libanaise proche du dossier. Le groupe a fait circuler des photographies de Tawil avec des dirigeants du Hezbollah dont le secrétaire général Sayed Hassan Nasrallah et Imad Mougniyeh, le commandant militaire du groupe tué en Syrie en 2008. Une autre photo le montre assis à côté du défunt chef de la force iranienne, euh, Kessam Soleimani, tué par une frappe de drone américain à Bagdad il y a quatre ans. L'une des sources sécuritaires a qualifié la mort de Tawil de coup très douloureux. Un autre a déclaré que les choses vont s'enflammer maintenant. Le secrétaire général du Hezbollah, M. Nasrallah, a averti Israël dans deux discours télévisés la semaine dernière de ne pas lancer une guerre à grande échelle contre le Liban, qui compte qu pense à la guerre avec nous, en un mot, le regrettera. Dimanche, donc hier, le chef adjoint du Hezbollah, Naïm Kassem, a déclaré que le groupe ne voulait pas déclencher une guerre totale, mais si Israël décide de nous mener une guerre totale, alors nous, sur le terrain, reprendrons par une guerre totale, sans hésitation, avec tout ce que nous nous avons donc, aïe aïe aïe, et l'Associated Press, suite à ces événements-là, nous rapporte que chaque frappe fait craindre l'explosion dans cette région-là. Le titre, c'est « À chaque frappe, les craintes grandissent selon lesquelles Israël, les États-Unis et les alliés de l'Iran se rapprochent d'une guerre totale ». Rien que la semaine dernière, une frappe aérienne israélienne a tué un commandant du Hezbollah au Liban. Le Hezbollah a frappé une base israélienne sensible avec des roquettes et Israël a tué un militant du Hamas avec une frappe aérienne à Beyrouth. Chaque frappe et contre-attaque augmente le risque de voir la guerre catas catastrophique à Gaza se propager dans toute la région. Dans l'impasse vieille de plusieurs décennies opposant les États-Unis, et Israël à l'Iran et aux groupes militants alliés, on craint que n'importe quelle partie ne déclenche une guerre plus large. Ne serait-ce que pour éviter de paraître faible. Une frappe aérienne américaine a tué un chef des milices soutenu par l'Iran à Bagdad la semaine dernière et la marine américaine a récemment échangé des tirs avec les rebelles outils alignés sur l'Iran dans la mer Rouge. Les divisions au sein de chaque camp ajoutent une autre couche de volatilité. Le Hamas, aurait pu espérer que son déchaînement du 7 octobre dans le sud d'Israël, qui a déclenché la guerre à Gaza, entraînerait ses alliés dans un conflit plus large. Les Israéliens, les Israéliens parlent de plus en plus de la nécessité de changer l'équation au Liban, alors que même Washington cherche à contenir le conflit. Le Hamas affirme que son attaque du 7 octobre était une réponse purement palestinienne à des décennies de domination israélienne. Rien ne prouve que l'Iran, le Hezbollah ou d'autres groupes aient joué un rôle direct. Où il y a eu connaissance de cette attaque à venir à l'époque. Donc, on le voit, c'est vraiment euh, tendu, il y a vraiment euh, un risque de déclenchement d'une guerre directe avec probablement l'Iran, Israël et ses alliés. Et euh, Juste un barrage de moins 40 roquettes du Hezbollah tiré samedi sur une base militaire israélienne a envoyé un message sans déclencher de guerre, même s'il a pu déclencher la frappe d'aujourd'hui. Est-ce que 80 roquettes auraient été un pas de trop? Et si quelqu'un avait été tué, combien de victimes justifierait une offensive à grande échelle? Ces sombres calculs ne fournissent pas de réponse claire. Et les experts disent que ce n'est peut-être pas une seule. Euh attaque comme ça qui y parviendra. Israël est déterminé à avoir des dizaines de milliers de ses citoyens retournés dans les communautés proches de la frontière avec le Liban qui ont été évacués sous le feu du Hezbollah il y a près de trois mois après le 7 octobre. Il ne sera peut-être plus en mesure de tolérer une présence armée du Hezbollah de l'autre côté de la frontière. Les dirigeants israéliens ont mené à plusieurs reprises, euh, ont menacé plutôt à plusieurs reprises de recourir à la force militaire si le Hezbollah ne respectait pas le cessez-le-feu de l'ONU de 2006 qui ordonnait au groupe militant de se retirer de la frontière. Donc on le voit, ça chauffe, ça chauffe. Restons éveillés, restons aux aguets, parce que d'après moi, ça va se dégénérer assez rapidement.